Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, nous sommes le 21 mars lundi. Un soleil, un ciel bleu. En plus, il fait pas froid, on a les fenêtres ouvertes, on est vraiment super bien. J'espère que ça va durer, hein, parce que franchement, ça fait du bien. Ce matin, j'ai pas pu vous faire de vidéo, tout simplement, j'avais des choses à faire. J'ai déjà eu beaucoup de mal à me lever, parce que j'ai eu du mal à dormir cette nuit. Donc, j'ai eu du mal à me lever et après, j'avais mes petites choses à faire. Bref, allez, on y va. J'ai le facteur qui est passé et il m'a apporté deux participations. Alors, on va les découvrir ensemble. C'est le numéro 9. Donc, Sylvie, je te remercie beaucoup par avance. Sylvie P. Je ne sais plus ton département, je ne vais pas dire de bêtises. Du 74. Tu as le numéro 9. Donc, je te remercie déjà beaucoup par avance. Yep. Alors, par contre, je ne sais pas comment ils ont tamponné, ça m'a amusé. C'est un tampon rectangle. Alors là, c'est sûr que c'est pas passé dans la machine. Il y a des numéros, je sais pas, c'est même pas un code postal, je ne sais pas ce que c'est. Allez, je mets tout sur le côté et on découvre ensemble. Yep. L'enveloppe est vide. Alors là, j'ai déjà un petit mot ici. Alors, je vais déjà lire ton petit mot. Alors, ta carte, elle est où? Hop, hop, hop. Parce que tu m'as bien écrit que ça allait au dos de la carte. Alors, ils l'ont un peu écrasé. Je regarderai après. Yep. Je vais lire ton mot et puis je verrai après. Oh, c'est très gentil, je te remercie beaucoup. Ça sera avec plaisir. Si jamais on vient vers chez toi, ça sera avec grand plaisir. Ben ça, c'est gentil. Ils sont gentils, tes enfants. Eh bien, je te remercie beaucoup, Sylvie. Je te fais des gros bisous. Donc, Sylvie scrape depuis environ 10 mois. Et bah, comme tout le monde, hein, c'est le matériel souvent qui coince un petit peu. T'inquiète pas, ça va le faire. Alors, par contre, ta carte, je ne sais pas où elle est. On va sûrement la trouver dedans. Je vais vous montrer. Youp. Alors là, par contre, c'est dommage, ils l'ont écrasé. Donc, je vais le redresser. Youp, ça y est. C'est tout bon. Voilà. Youp. Allez, on commence par lequel des deux? Allez, celui-là. C'est très joli. J'adore ta fleur. Elle est très jolie. Regardez. Elle a fait sa fleur avec la ficelle là, de chez Action. Elle a remis un bouton en bois et un petit ornement en métal. Donc ça, je pense que c'est les grands ornements qui vendaient... par plaque où il y avait des papillons, des feuilles. Et celui-là, je pense que tu l'as, entre guillemets, désossé. Parce qu'il y avait plusieurs petites fleurs, ça faisait un losange. Il me semble que c'est celui-là. J'aime beaucoup. Là, tu as fait un rond avec la cordelette aussi. Tu as fait une petite fleur en vellum. La petite fleur, ouais, elle s'est un petit peu décollée. C'est pas grave, je la recollerai. Tu as fait une étiquette avec un sentiment, c'est amitié sincère. De la dentelle, du lin. J'aime beaucoup. Une jolie petite poupette.
Une petite poupette, une jolie petite jeune fille avec des jonquilles. Là, tu as fait une petite fleur. Yop. Sur la tranche, tu as utilisé un papier que tu as coupé en zigzag sur les côtés. Et au dos, le même principe de découpe pour le rectangle ici. Et là, c'est pas le même ciseau, mais c'est un ciseau cranteur aussi, je suppose. Donc, tu as fermé avec un ruban noir. Et, hop. Et on va ouvrir et découvrir. Oui, Oli, tu dis bonjour, c'est bien. Donc, c'est un album. Yop. Ça fait des petits... c'est pas des tags, mais je sais pas comment appeler ça. Je sais plus le nom. C'est pas que je sais pas comment l'appeler, c'est que je sais plus le nom. T'as ancré les bords. Je sais pas si vous allez bien y voir, si on y aperçoit. Et c'est super joli. Yop. J'aime bien celui-là, il est magnifique. Le papier. Pardon. Là, avec le système, alors, ouais, on peut l'enlever. Hop. Voyez, elle a fait deux coins. Là et là. En tenant d'une main et en vous montrant de l'autre, c'est pas évident. Hein. Hop. Et c'est très bien pensé, le système des deux coins. Là, tu as fait une pochette. Et tu as tout tamponné en vintage. Ce papier-là, il est superbe aussi. Oh, je sais pas d'où il vient, il me dit rien celui-là. Regarde, il est magnifique. Wow. J'aime beaucoup. Très, très joli. Là, on a encore une petite fille. Très jolie, avec encore des fleurs. Là, ça s'ouvre. Donc comme ça, ça laisse la place pour remettre des photos. Et on arrive sur la fin. Où tu as refait, je vais dire un tag, parce que honnêtement, je ne sais plus comment on y appelle cette forme-là. Et bien, il est très joli ton album. Le papier de fond, là aussi, il est superbe. Alors là, c'est toi qui l'as tamponné et ancré. J'aime beaucoup. Alors, je refais le petit nœud. Yep. Et puis, je pense que tu as utilisé du... Je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est du papier peint en dessous. Donc, c'est une très bonne idée. Voyez. Là, j'adore le tamponnage qu'elle a fait. L'effet que ça donne, que c'est un petit peu flouté, un petit peu effacé par le temps. C'est très joli. Donc, je le mets de côté. Et par contre, pour l'instant, j'ai pas trouvé la carte. Et ensuite, tu m'as fait un sac à main. Alors, j'aime beaucoup l'idée. L'aisance. Là, on a le pompon. La dentelle, enfin la dentelle, le ruban, là, il est super joli aussi. Le papier écriture avec des cartes postales dessus. J'aime beaucoup. Non, je suis peut-être pas allée du bon côté. Non. Je cherche à l'ouvrir du mauvais côté. C'est pas grave. Yop. Donc le dos. Les côtés. Il est très joli. Ah, t'as remis un scratch en plus. Ah, c'est pas bête. Voyez. Donc au moins, on est sûr qu'il ne se revoit pas tout seul. Et quand on l'ouvre, ah ben la carte, elle doit être là, quelque part par là. Je suppose qu'elle est là. Alors, je vais mettre sur le côté, on va regarder ensemble après ce qu'il y a dedans. Ah oui, elle est là, la carte. Non, ah, et ton petit mot, il venait là. Mais il est un petit peu plus grand, c'est pour ça que tu me l'as mis à côté. Ok, pas de souci. Parce qu'elle avait prévu la pochette pour y glisser son petit mot, je suppose. Yop. J'aime beaucoup ce papier-là. Papier avec les écritures. Et quand on l'ouvre,
On a une carte, voilà, en 3D, avec la petite poupette, des fleurs en vellum. On a une... Oh, elle est jolie, cette vieille lanterne. La machine à café, tout. Oh, c'est superbe. J'adore tes tampons. Regardez. Et hop. Là, j'essaie de décaler un petit peu le feuillage sans abîmer. Et hop. Vous voyez, ils sont super jolis, les tampons. Tu as utilisé des napperons aussi. Là, une très jolie découpe. J'aime beaucoup. Tu as recollé des fleurs pareilles en rappel par-dessus, avec des fougères. Elle est très jolie. Oh. Et je sais pas où vous les trouvez, vos napperons, les filles. Si vous pouvez me donner vos sources pour les napperons, je veux bien. J'ai pas regardé sur Tonton Ali, c'est le seul endroit où j'ai pas regardé. Dans le sac ensuite, on a encore deux petites choses. Un ticket amitié, alors ça je connais pas. Amitié sincère. Alors est-ce que c'est un nouveau format? Je ne sais pas. Donc tu as fait le rappel comme sur le sac avec ton ruban. Là, la cordelette que tu as entourée pour faire une fleur avec un petit centre en métal, un petit ornement en métal. La feuille que tu as découpée en craft. J'aime beaucoup. Alors. Ben, ça sera avec grand plaisir, ma belle. Gros bisous. Si on a l'occasion de venir par chez toi, ça sera avec plaisir. Et à l'intérieur du petit sac, enfin du sac, il y a un petit sac. Ah, il est super joli. Alors là, je ne vais pas me tromper, je sais qu'il faut que je vienne de là. Hop. C'est une double tâche, et comment? Je ne veux pas faire de bêtises. Alors, j'y vais délicatement. Ça y est. Voilà. Youp. Encore un petit velcro. Il est super mimi. Très joli. J'aime beaucoup l'idée. Donc, tu as fixé. Attends, je le refermerai après. Tu as fixé tes anses avec des attaches parisiennes. Hop, ça y est, je vais arriver à le fermer. Hop, et hop. Voilà. Donc, vous voyez, on les voit bien, les attaches parisiennes. C'est tout mimi. Et ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, ma Sylvie. C'est très joli. Le petit pompon, j'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est toi qui l'as fait. Eh bien, je te remercie beaucoup, ma belle. Tu as le numéro 9. Et on se retrouve, eh ben, tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous. À très vite. Gros bisous.